Désir Venesse, laissez-moi dire que lundi cap vini là, qui pral exactement 4 novembre 2024 là, et capable de Goku en Abed Haïti là. Capable de Goku en Abed Haïti parce que, pas oublier que KPT1, il a invité PM Garikouni pour que PM n'a pas des détails sur question et groupe mercenaire qui débarque en Haïti. Et en même temps, tout désir, pral de débat sur question pour qu'on ait, est-ce que yo pral faire remaniement ministériel là? Est-ce que ensemble de ministres que KPT a mandé ou là, il a coupé tête yo, est-ce que gars ko ni pa ben accès pour que yo coupé tête ministre yo? Est-ce que KPT a lui même tout pral dit que li pral voyer trois conseillers ça aller? Parce que gen moun ki clair, yo pas de problème non pour que trois conseillers pour changer ministère ou dit est-ce que pour changer ministre, mais néanmoins que yo voyez trois conseillers qui inculpés, qui accusés dans question scandale corruption BNC, que yo révoqué yo, yo retiré dans KPT. En parlant de Louis Gérald Gilles, et Smith Augustin, et Emmanuel Ventilaire. Et trois conseillers sa yo, mais et moun yo clair que vous dites que jodi, si vous changez ministre, si vous mettez de ministre, mais faut que yo révoqué trois conseillers sa parce que nèg yo c'est corrupteur, parce que nous cité dans scandale corruption en la période des événements. Activité politique là dominé par question rencontre ça qui le fait entre premier ministre Dr Garikouni avec conseiller présidentiel yo, mais en plus on a posé cette question rencontre ça qui côté Haïti trouver là-dedans moi est-ce que intérêt pour nèg jeune plus pouvoir est-ce que bagarre la pral tourner en faveur Garikouni ou bien le pral tourner en faveur conseil présidentiel transition mais pas oublier Garikouni pral répondre question autour de une question mercenaire que conseil présidentiel fait quoi qui en dedans pays à Blaise Tesson. Guy Philippe réagit sous question ça. Il dit monsieur mercenaire ça yo pas fait dans pays à Blaise Tesson. Lui même avancé pour dire depuis dans mouvement 6 7 février mobilisation te gagne dans Port-au-Prince l'en songer agent de sapio te mouri. Il dit te gagne dans nex ça yo que ont été utilisé yo te mettre uniforme tag sur. Ça veut dire c'est des monde que continue à utiliser pour craser mouvement mobilisation anti-gouvernementale. Son système qui est puissant, selon Guy Philippe, elle fait quoi? Il a fini par un bout de système quand même. Quand elle dit, monsieur Sayo, que le premier ministre Dr. Garikouni t'a parlé, il t'a dit que dans le pays, c'est des formateurs qui viennent faire formation pour la police nationale d'Haïti ou bien des unités spécialisées dans la police. Guy Philippe dit, c'est pas ça. C'est pour qu'on continue cette persécution politique en est dans le pays. Si vous regardez, ou après, il y a un ampleur qui apprend par rapport avec des masques qui ont fait pour traquer ensemble monde qui pratiquement réclame comme opposition face avec le gouvernement qui est dans le pays d'Haïti. Si vous regardez, ou après, la communauté internationale, en pile fois, il y a un moto qui est inquiété. La situation ça en dedans pays a développé Blaise Tesson. Mais c'est toutefois que vous n'avez pas de contrôle. Situation, vous montrez que vous inquiétez. En plus, le monde garde tout. Diversion pendant l'élection. Les États-Unis ont avancé là. Dans moins que trois jours, les personnes, c'est pour l'élection des États-Unis d'Amérique. Et vote, il y a un ensemble de têtes que vote a commencé à faire déjà. En plus, le monde a posé cette question. Il y a des gens qui ne peuvent pas connaître qui côté doit prendre position. Mais où doit connaître? Il y a les grands électeurs qui ont fixé l'objectif pour les États-Unis d'Amérique. Mais malheureusement, bon, ici en Haïti, nous parlons des élections qu'a fait les États-Unis. Comme il y a année nous-mêmes nous que nous gagnons depuis nous pas organiser élection. Pendant nous dit nous sorti dans yon air qui te gagne pour avec Boudi, Bout Macaque et en plus fois nous te les dictature. Nous vivons dans démocratie. Et élection pas en fait majorité monde qui est là c'est de facto que oui. Qui j'en bral faire pour nous sortir de situation ça. Le si Voltaire parlait, si yon pas prenant temps, yon pral avancer pour mettre conseil de sécurité que yon te pour mettre à promettre sous pied selon accord 3 avril 2024. Là. Mais c'est toujours dans quatre promesses. Blaise 1er acte de novembre, li symbolise fait des morts, la Toussaint. Dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince, Blaise, les consacres cimetière Port-au-Prince t'as chargé d'activité. Secteur culturel, là, secteur économique, là, t'as fait l'argent. T'as bien comme qui t'a pris dans le pays, ya. Parce que t'as pris un pile diaspora qui t'a pris rentrer, vient faire tirer pour venir faire maigrir, venir faire chom-chom pour mettre sous ton monde qui est au terrain qui t'est cher pour ça, et pour ça qui va l'évangile.
Mais nous pratiquement perdu ensemble tradition ça parce que moun yo pa ka rentrer. Gade moun la blaise qui pas sentil bien nan kol ak nan nom ni et même l'esprit lè loi 1er de novembre a privé pa ka rentrer la kali. Parce que c'est une coutume, c'est une tradition qui est liée. Moun yo pa ka vini. Yo pa ka vini nan sacré cimetière. Yo perdu ensemble valè sa yo. Et moun yo pratiquement après tant qu'il est abgon l'état qui est responsable qui rive comprendre bien une série de traditions que pas ka détacher avec eux pour prend responsabilité qui permettre au moins que yo avancer plaise Peterson tout ça qui a passé en dedans pays hein li attaquer tout secteur mais tout secteur on va le mettre ensemble pour attaquer pour finir avec problème dans la saison. Je dis à des Ibanez laissez-moi dire ça mio gien moun qui dit que pour qui ça fait ni la primature et ni capeté hein. Yo continue à mettre l'État dans la rue. Yo continue à mettre l'État, exposer l'État dans tout si marché, dans tout si table, dans toute la rue. Parce que yo est que gon guerre de correspondance de lettres qui existait entre KPT avec Koni avec Ekoni. Parce que les KPT écrit la primature pour mander li besoin de tel ministre et la primature dit bon, pas gbaye comme ça. Les que le KPT a mandé pour rencontrer et PM Gaïkoni concernant et mercenaires qui en Haïti yo ou tendez que la primatique qui dit que eh bien on vous invitation pour lundi et pour telle en attendant que yo prépare un ensemble de dossiers. On pas de problème non. Comme des têtes exécutives là, yo ka toujours tombé d'accord puis yo dit que OK. Mais qui ça Mais qui a géré ça? Mais mettez l'État dans la rien. L'homme dit mettez l'État dans la rien. Par exemple, moi avec Désir, nous sommes deux collaborateurs, pas vrai? Nous avons discuté, nous avons fait émission. Si vous avez qui passe avec moi à Désir, nous avons géré ça entre nous, mais et pas sur les ondes. Désir qui est dans ce bagage, nous pas d'accord avec. Nous avons fait débat politique, nous avons fait débat. Nous avons avec argument, Désir avons avec argument. OK? Mais si ce n'est pas personnel qui passe moi avec des Ibanez en tant que monde, je ne vais pas exposer là. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que lorsqu'il y a deux têtes exécutives, là, la primature et la présidence avec KPT, il y a aussi deux têtes qui sont responsables. Elle dit, pays en homme, je dis, hein, est-ce que vous voyez une bonne image? Le fait que tout ça a dit, tout ça a discuté entre eux, ou des résultats qui sont connus. Résultat que t'as dit bon, t'es grand qui t'es fait entre primatier avec et KPT, mais c'est là c'est le bord, mais ça qui t'es dit, mais ça qui t'es parlé, en sérieux. Est-ce que nous mettons l'État dans le niveau ça? L'État propagande. Yeah. L'État propagande et information et une tête exécutive là pour avec l'autre tête exécutive là. Pas bien c'est un exécutif à deux têtes. Ligue la primature, ligue la présidence. Youn patadoué a empointé sous responsabilité l'autre. Exactement, mais exactement. Malheureusement, si vous regardez la situation, vous avez c'est ça qui a fait. Frinal Joseph, qui c'est youn dans le conseil présidentiel de la situation, qui te parlé avec VOA Creole, la voix de l'Amérique, lui prêché unité, harmonisation entre KPTA avec Primati. Si nous avons un problème dans le temps, selon Frinal Joseph, et nous pas capables de faire travail nous. Nous supposons faire pour aider le pays. C'est parole ça, Dr. Frinal Joseph, mon conseil présidentiel de transition, et utilisé pour prêcher unité dans le temps KPTA avec la primature qui trouvait une situation très difficile. Qui compte qu'elle nous a perdu la blesse? L'entendez, porte-parole, Premier ministre Dr. Gaïkoni, lui dit ou non, pas de division entre eux. Sauf que, quatre gains de mésentente sur ensemble de sujets, sur ensemble de points qu'il y a discuté entre eux au profit de la République. Mais Frinal Joseph est clair. Il dit qu'il y a une division. Exactement. Vous comprenez? Il dit qu'il y a une division dans le si il y a une division dans le il n'est pas capable, il n'est pas réussi avec le projet qu'il y a. Nous ne sommes pas capables de confrontation. Que Frinal Joseph lui déclaré qu'il demandait pour des branches exécutives de primer harmonisation à concertation dans le temps comme autorité qui a résolu le problème qui Haïti a connu. Conseil présidentiel et transition, Frinal Joseph, qui prend parti. Qui arrange l'idil pas qu'à gaspiller, tant pas qu'à gaspiller dans chez Repit qui gagne en primature avec KPTA, qui gagne même responsabilité. Si KPTA pas bas résultat, eh bien c'est même genre, la primature pas bas résultat, parce que y a un point commun de travail ensemble. Ça, primature à exécuter, c'est
plan qui ont été gagné à travers accord 3 avril 2024. Et Fouina Joseph fait rappeler 7 février 2026 Kabin là, KPT a dû remettre place là avec un président. Qui donc, nous pas qu'à quitter tant yon a passé dans Hing Hang, selon Fouina Joseph. Docteur Fouina Joseph lance un appel formel à KPT et gouvernement pour yon jouen yon concertation et harmonisation et pour yon avancer avec pays. Haïti, Kouloye a fait face à problème insécurité grave, selon Fouina Joseph. Côté gang yo contrôlé environ 85% capital pays, spécialement zone métropolitaine dans Port-au-Prince. Et puis forcé plusieurs milliers de moun courir quitter kayo pour y aller vivre dans des situations désastreuses, dans des situations difficiles. Les conseillers comprennent ça. Yon gros problème conseil présidentiel là reconnaître et comprendre qui a intensifié presque chaque jour dans mi-temps. Des branches exécutives, selon lui, c'est un mal extraordinaire. S'il continue comme ça, des situations. Eh oui, dis-là, Frinel, d'accord que les divisions, qui vont le mettre en mettant des têtes exécutives là. Je suis d'accord ça. Je suis d'accord que Guillaume Baga qui pas marché, entre KPT avec la primature. Monsieur, quel est sous ça? Parce que parler de unité, ça veut dire, monsieur, montrer qu'il n'y a pas de problème en mettant des têtes exécutives là. Monsieur, quel est sous ça? Mais, Blaise, pas de gain de tout ça. Pas de gain de doute sous ça qui a passé en conseil présidentiel ou bien la présidence avec la primature. Cependant, il y a des dossiers qui brûlent, qui embasent les conseillers, qui ne peuvent même pas faire rien sur la question. Parce que nous ne pouvons pas parler de situation haïtienne pour ignorer ce qui a passé en République dominicaine, pendant que Chiré Pitan, M. Damio, pour 30 premiers jours dans le mois octobre 2024, la baisse personne. Saint-Domingue, rapatrié ou bien déporté, dispassé 26 700 migrants haïtiens, selon le groupe Capapillé, rapatrié et réfugié. Est-ce que vous comprenez? 26 000. Dans situation. Lors de 26 700 personnes qui partent dans le pays, qui ont retourné vers la caillou, ils demandent des préparations qu'ils ont faites pour eux. Mais, kounye, est-ce que les préparations sont faites? Si on continue, d'après ça, Gare fait qu'on est, sous compte X, autorité dans la République dominicaine, Pimpe, vous retournez en dedans pays, 26 739 Haïtiens, qui sont là-dedans, 21 983 garçons. Avec 3804 femmes qui retournaient venir dans le pays après vague déportation que la République dominicaine a fait la présentation. Et lui rappeler avec le président dominicain Luis Abinadel qui a annoncé plan pour déporter 10 000 Haïtiens chaque semaine. Et bien, depuis dès octobre, autorité immigration République dominicaine a mené ensemble opération tout partout et sous territoire dominicain pour être capable d'arrêter haïtiens qui ont été venus dans la rue, qui ont venu dans le travail, dans quel que soit espace qui ont venu, ils ont pimpé ou venir dans le pays. Et ou par exemple, je une position solennelle. Bon côté, ne qui dit, yo c'est conseil présidentiel. Ou par exemple, je une position solennelle ou solidaire entre la primatie par rapport avec haïtiens qui ont entré là. Et au conseil qui est grave là, qui est-ce qui a recevoir mon sous frontière? C'est un organisme international qui est OIM. Ainsi, autorité qui dans l'État ici, il ne pas faire pièce prévision pour changer les conditions de vie des haïtiens qui sont en dehors, il n'y a plus de prévision ou provision pour vous entrer ou pour vous plus de pouvoir de situation. Elle avait dit là, ouais, j'aime toujours dire, ancien pour vous mettre la canon carbon. Et pour vous mettre la canon carbon. Et ça fait même élection qu'a fait États-Unis là. En tout cas, ma vie sous sa désir, entre ta désir. L'a dit que élection. 5 novembre qu'a fait aux États-Unis. Laissez-moi dire non. Et c'est l'élection générale qui va mettre face à face Kamala Harris et puis Donald Trump. Moi ouais grand pile organisation haïtien qui vient là des étrangers tout américains qui aux États-Unis qui a encouragé moun yo pour aller voter. Il va dire aller voter inter non. Yo encouragé moun qui a droit de vote yo. Citoyens américains et l'autre monde qui a le droit de vote pour que y'all voté. Y'all voté candidat que estimé qu'a bon pour vous. Et moi tout de haïtien qui engagé, haïtien qui c'est citizen qui naturalisé, américain qui a voté, yo même tout, yo engagé dans campagne pour encourager haïtien pour que y'all voté. Haïtien qui a voté à bien dire. Voter moun yo est qu'a bon pour vous. Mais José m'a toujours dit le désir. À qui ça s'apprend le servi élection aux États-Unis pour Haïtiens? Qui a vivre en Haïti? Des bien ça me dit.
à qui ça s'apprête à servir élection États-Unis ou haïtien qui vivent en Haïti. Moi qui comprendre haïtien qui résidait aux États-Unis, soit qui naturalisé, soit qui gè résidence, soit qui gè droit sous visa, soit qui gè droit entrer dans programme humanitaire, soit qui gè droit et passer par frontière et qui je dis c'est États-Unis où résidé. Moi comprendre que haïtien ça yo élection États-Unis hein, li gè une importance capitale pour yo. Et bien ça me dit parce que li pral déterminer avenir yo. L'aime dit avenir aux États-Unis. Li pral déterminer avenir aux États-Unis. Pourquoi est-ce que si Kamala bon commence à parler pour immigrants et si Donald Trump bon commence à parler pour républicains, ça veut dire c'est ça qu'a regarder comme question. Mais qu'on a regardé est-ce que retomber élection États-Unis 5 novembre yo li pral gen une retombée positive ou bien négative sur Haïti, moi même m'a dit quel que soit tes républicains, quel que soit tes démocrates, m'ba wè retombée positive là pour moi-même. Ça c'est avis pam pour États-Unis, pour Haïti États-Unis yo, OK. Mais qu'on a pour Haïti, m'poko wè retombée a. Et parce que pour qui ça? Démocrate pour pouvoir déjà regarde dans qui est Haïti. Républicain pour pouvoir déjà regarde dans qui est Haïti. Ça veut dire moi-même pour quoi retomber hein, quel que soit ta X ou ta Y qui t'a une président ou bien présidente États-Unis. Mais kounya ça moi-même m'a dit avec haïtien d'abord qui en Haïti. C'est mettez pression sous soi-disant autorité en Haïti là yo qui s'est capété qui s'est l'aime dit capété conseil président yo et puis gouvernement koni a dirigé hein l'aime dit mettez pression sur yo ça veut dire que mettez en situation pour yo prendre toute disposition et permettre que yo rive établi sécurité et permettre que yo exécuter ça ni les feuilles de route à quoi 3 avril. Ça est vraiment important. Ouais ça, li vraiment vraiment important. Ça vraiment important. Et kounya on paye depuis 2016 pas jamais élection la donne. Je dis à ces goumen pour que monsieur dame qui la yo qui a organisé l'élection Géodil en octobre 2025 pour que 7 février 2026 y aurait mettre pouvoir by un monde qui élit. Vous entendez ça qui dit? Parole ça sorti dans bouche tout conseil yo et même Gary Koni que 7 février 2026 doit gagner un président ou bien une présidente qui prend tête pays hein. Doué ge sénateur député, doué ge magistrat nan mairie yo, doué ge kasek délégué de ville nan katel sa yo. En tant que le 7 février 2026 nan pral rive, qui sa moun sa pral di et qui sa pral fè et qui sa pral décidé. Parce que ouais jusqu'à présent, y a kal blende, y a pa wese, y a pa le en pile, y a ti sa fè yo. Mais pourquoi j'aime voulais vraiment voir un ciel clair pour organisation élection d'un pays en décevenir ça. M'attends de désir. Désir, m'a recevoir. Impossible. Okay. Très bien. La citation, c'est la première parenthèse qui est liée à l'organisation générale et partie élection présidentielle qui intéressait Haïtien ou Apil Cap, fait les États-Unis d'Amérique. Dans l'approche où vous avez regardé, démocrate, pour pouvoir déjà, il pas changé de donner pour Haïti. Républicain, parce que déjà, il pas changé de donner. Ou d'ailleurs, sous présidence Donald Trump, dans le mandat qu'il était surprenant, il était qualifié Haïti de trou de merde. Si on a dit en bon créole, de tout craca.
Nous besoin clair sur ça. Et de jour en jour, est-ce que nous avons un problème avec la vérité? Parce que je veux dire, ça a fait un dans le pays là. Nous avons dit, si nous avons retourné, nous avons dit que Donald Trump a raison. Par rapport avec Jean, qui n'est pas dirigé le pays à faire. Ok? Mariage qui a gagné entre Hillary Clinton, avec un série de nèg cap politique dans le pays qui dans scandale corruption qui dans créer gang dans le pays qui t'a qu'a dit ou tout que républicain ou bien démocrate disons dans façon que yo agit contre Haïti li pas correct position pan blesse c'est garder avec modèle monde cap vinn président cap vinn député cap vinn sénateur cap magistrat cap délégué départemental cap délégué de ville cap vice-délégué dans l'arrondissement. Puis c'est des gens qui viennent pour eux. Ensemble, les gens qui ont gagné dans la diplomatie haïtienne, ministre affaires étrangères, c'est des gens qui doivent garder blanc dans eux. Pour blanc, pas venir offrir n'importe qui bagaille. Parce que l'intérêt Haïti, c'est pas dans les États-Unis la sortie, mais qu'à profiter de les États-Unis. C'est tout d'abord, ça que vous avez comme vision, c'est pas ça qu'ils ont venir offrir là. En pile fois, vous avez offrir un bagaille qui n'est pas bon, ou besoin de gens qui ont qualité. Soit qui accepte ou bien refuse. En plus, fois nous trouvons dans une situation, le modèle de monde qui est dirigé, ce sont des avares, ce sont des vicieux qui ont cherché à manger. Nous avons essayé d'autres garder. Ce n'est pas même manger maintenant, c'est des cafards qui vivent des centres, c'est des ravettes qui vivent des centres. Les États-Unis arrangent, ou bien un président, ou bien un petit blanc maintenant qui sont des États-Unis d'Amérique, on est parlé avec les gens, parler en anglais. Et puis, tête nèg yo enflé. Yo prend tout mauvais plan et puis vinn rendre que situation comme ça. Lève goumen entre nous. Communauté haïtienne à communauté haïtienne a divisé États-Unis d'Amérique sous question élection ça Blaise Fesson. En pile nan yo a goumen entre yo Blaise. Ça a dit l'autre là, ce problème qu'on gagne à dans la chose, c'est parce que ou c'est immigrant, c'est parce que ou sorti dans CBP One, c'est parce que ou vinn dans programme parole humanitaire Biden. Qui peut-être pas vraiment gagne place, parce qu'il y a gardé nous tous même gens. Les Donald Trump pour le faire ici, les mêmes qui sont présidents, ils pourraient chercher les Américains pour créer un autre avenir pour eux. Mais et nous-mêmes, qui avenir que vous pouvez garder pour nous? Est-ce que c'est eux qui avez gardé avenir pour nous? Je dis en plus, les gens sont marqués dans la décision que Luis Abinader, le président de la République dominicaine, a pris pour régulariser la question migratoire. C'est vrai qu'il y a un pile de failles, il y a un pile d'erreur qui a glissé, il y a un pile manque de respect là-dedans. Mais c'est pays, Blaise. C'est pays. Lui-même qui connaît, mais qui s'accap bon pour le pays, mais qui s'accap bon pour le peuple. C'est un monde qui pourra le voter dans l'élection présidentielle États-Unis, il pourra le voter projet à programme, il pourra le voter avenir. Nous-mêmes en Haïti, nous pas fait différence. Nous votons pour 1000 gouttes. Pour 1000 gouttes, 500 gouttes. Yes. Où est-ce qu'on pourra le voter là, Blaise? États-Unis d'Amérique. Je pourrais faire vote là et pour tête, non? Je pourrais faire vote là pour avenir petit que vous avez que les États-Unis d'Amérique. Chaque monde que vous regardez ou parlez à qui vous, qui citizen ou bien qui américain, là, vous dit que vous pourrais faire un vote historique pour reconstruire, pour réparer ensemble fissures qui gagnent vers les États-Unis et d'Amérique. Et en pile fois que vous regardez avec vous, ça gagne comme guerre, bataille qui gagne. À travers le monde, que les États-Unis, avec les démocrates qui ont pris la dent au fort, ils ont dit que ça a papoté trois bons résultats pour eux. Ils viennent avec cherté de la vie, ok? Ils viennent avec chômage vers les États-Unis d'Amérique, parce que ils permettent un pile monde à courir quitter une série de zones qui à risque, qui en danger, ils viennent les États-Unis d'Amérique, et bien, il y a des Américains là qui trouvent une situation très difficile. Ça, ça va le permettre, l'obé entre migrants haïtiens, dans Ohio Springfield, qui permettent que des leaders politiques, tant que Donald Trump, aient utilisé des propos racistes contre les Haïtiens. Et nous-mêmes, nous disons Haïtiens, quel que soit le côté où trouvé, discipline et principe, la permettent que nous respections. Tant que moi, avec Blaise, qui est au studio, dans le travail. Nous connaissons, micro ça, c'est pour nous parler, c'est pour nous porter son. Yeah, micro avec caméra, c'est des bagages qui utilisent énergie, internet, tout bagage ça pour capable porter ça dans porter nous comme message, comme information, comme analyse et qui pour aider nous comprendre plus bien très bien. Ça qui passe en pays à travers le monde. Même parce que c'est le principe qu'on a besoin d'adopter.
modèle comportement, style de vie, nous besoin gérer ça. Nous, les Haïtiens, quel que soit côté nous trouvons. Parce que nous permettons, depuis nous arrivons à un côté, nous voulons marquer nous, il y a un pile qui voulait marquer nous en positif, qu'on s'a tout, il y a qui allait dans la ligne négative, qui empruntait sur tout ça qui est positif. Fais choix. Votez moun qui est estimé cap préparer un bon avenir pour petit roi qui est États-Unis d'Amérique. Votez moun peut-être qui cap gain un petit crasse sensibilité, qui gain un petit crasse cœur, qui essaie de regarder politique mondiale là avec un autre Dieu, parce que nous sommes d'accord que les États-Unis, ils pratiquement gain emprunté, ils gardent tout ça qui a passé à travers le monde là. Au moins, ceux qui ont fait approche plus bien, qui ont produit plus bon résultat, plus meilleure vie à travers le monde là. Et il est vraiment bon. Vous avez vraiment souhaité au même qui va faire votre point pour essayer de faire calcul et réfléchir sur avant qu'il va voter. On en vient avec Leslie Voltaire qui était retourné dans le pays en juin vendredi. Côté que monsieur parlait, il présentait un bilan de voyage dans le pays et Colombie, qu'il a participé dans le 16e, ça n'est les COP et 16 ans. Dans le pays Colombie, sur question biodiversité, changement climatique. Dans le pays, monsieur, sur ça, il dit à qui ça vient comme bonne nouvelle. Et après, on a fini avec de l'autre réaction. DG la police là, état-major, la meilleure état-major la police là, mesdames, messieurs de la presse, bonjour. Je vais commencer par exprimer sympathie pour tout le monde Solino à Kaé, à tout l'autre côté gagnant à attaquer et puis assassiner. Depuis plusieurs mois, dans Solino, dans tout quartier, il y a une coalition gang a frappé sans camper. Malgré PNH là, avec citoyens zone dans campé Goumen, avec la MEA, attaque contre population à Kaéa, c'est un l'autre qui demandait solution rapide. N'a présenté condoléances nous par famille toutes victimes qui mourir, qui blessés et tout. Et nous promettre que gain secours direction protection civile avec l'autre agence pour le porter baio. Faut que moi rappeler, moi t'ai parti à Kesseré. Tout le temps moi dehors, m'a suivre comment problème yo pas amélioré dans pays là. Et il y a bien plus mal chaque jour. Et bah chef nous, ça m'a partagé douleur monde dans quartier Solino qui vient augmenter quantité monde qui déplacé yo. Moi souffri avec monde cabaret yo, à Caé. À en pile l'autre côté. Quand vous avez la Tibonite qui en bas gros pression, avec gros menace, n'est pas zam sans foi ni loi. Moi, j'ai quitté le pays pour un petit bout de temps, jour samedi qui était 26 octobre. Moi, j'ai allé dans le pays la Colombie pour participer dans la 16e conférence Nations Unies organisée sur biodiversité. Nous avons plusieurs chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres qui était présent dans le rendez-vous ça. C'est chaque deux années conférence sur biodiversité à organiser. Là, vous parlez de biodiversité, il y a un pile espèce la nature dans nous et qui est utile pour qu'il y ait la vie sous la terre. Mais un pile dans yo disparaît petit crasse par petit crasse et c'est les hommes qui ont détruit. Bolakay pan. Nous avons déjà perdu un pile espèces naturelles, oiseaux, couleuvres, mabouya, poissons, homards, plantes, pieds-bois et latriers. C'est une grosse menace parce que plantes, les animaux, c'est eux nous manger, c'est à qui nous faire remède. Les n'a perdu, ça veut dire petite nous. Petite nous, pas besoin de contre pieds-bois, ni contre plantes, ni contre animaux en quantité pour vivre. C'est une grosse menace. C'est ça qui fait le sujet. Yo. T'es choisi pour la 16e conférence là, c'est à nous faire la paix avec la nature. À nous vivre dans la paix avec la nature. J'aimerais te dire dans le discours que j'ai présenté devant les représentants pays. Yo. Si nous ne faisons pas la paix avec la nature, pas bien la paix entre citoyens pays. Yo. D'ailleurs, nous sommes ici dans le pays, la violence n'a pas détruit le monde seulement. Mais il détruit la nature tout. Moun ak zam attaque moun, mais tout yo détruit pied bois nou yo, plante nou yo. Ça fait dans plusieurs côtés dans pays ya. Surtout dans Makaya, dans Seguin, dans Parc
historique citadelle. Nous attirons attention représentant tout pays yo sous nécessité pour une coopération tête ensemble pour aider pays yo yon ak lot protéger espèce la caillou. L'environnement yon pays gen problème conséquence l'en frappé en pile l'autre côté. Nous te parlé tout de engagement pouvoir transition an, pour augmenter zone pays a qui gen espace protégé et réservé. Nous avons arrivé jusqu'à 30% territoire. C'est ça conférence l'a mandé. À peu près 9000 km² sur 28000 nous gagnons. C'est une façon pour nous pas perdre reste plante nous yo, pied bois nous yo et espèce animal nous yo. N'a remercier délégation technique qui t'a accompagné nous. Fonctionnaire ministère environnement qui t'a bail tout coup de main pour aider préparer dossier participation Haïti. Qui c'est Haïti 2030 dans gros conférence ça nous te profiter pendant nous t'a passé dans pays la Colombie pour chita parler avec quelques présidents qui ses amis pays d'Haïti chita parler m'te fait avec yo te concerné surtout sujet moins ouais qui pi gros tête chargé pays a fait face ces problèmes insécurité à question en pile monde qui pas besoin de travail avec assez manger. C'est environ 5 millions sœurs africains nous qui pas qu'à manger. Bien parmi eux, c'est monde qui obligé déplacer à cause de violence dans zone la caillou et bien l'autre monde l'autre pays tant que Saint-Domingue voyait tourner cap vivre coulier dans mauvaises conditions. Nous t'ai chita parler avec président la Colombia Gustavo Petro qui sont grands amis Haïti. Nous présenter la situation de sécurité en Haïti a. Et li d'accord avec nous que pays l'a dirigé à c'est une source cap alimenter insécurité dans pays d'Haïti. Qui implique que notre président Jovenel Trouvé tout ça? Bam tande c'est fini. Pas du tout c'est non mais pas dire ça tout bas c'est dit c'est ça bam bam tande l'esti. Et nous d'accord ça mes amis. Elle dit pas seulement alimenter question insécurité non mais tout et mentionner que tout est Jovenel yo c'est plus pif c'est Colombie eh. Sous quatre géographies nous garder ensemble. Yon route sous la mer qui sortit la Guajira dans nord Colombie pour arriver dans sud pays d'Haïti. OK. Distance ça pas en pile. C'est là en pile trafic drogue, trafic zam ak l'autre bagaille illégal a fait. Nous prend décision pour force l'autre deux pays yo travaille ensemble sous la mer qui sépare pays d'Haïti ak la Colombie. Force l'autre deux pays yo pour le mettre ensemble. Pour surveiller tout mauvais jet qui a traversé avec marchandises illégales pour augmenter l'insécurité en Haïti. Nous parlons tout avec le président Petro sur le problème de manger que nous gagnons. Nous tout... C'est un petit monsieur. C'est un petit désir. Nous parlons avec le président Petro sur le problème de manger le pays. On paye qui a été mangé, qui a même voulu vendre à l'étranger. Je dis à la demande de Colombie, nous dit un grand goût. Monsieur, nous connaissons l'agriculture pays a mandé j'arrête. Nous tous les deux décidons de garder qui mesure qui prend pour augmenter le commerce entre deux pays. Nous avons gardé si quelques produits nous obligent à acheter l'autre pays, Patabini, plus bon marché et avec meilleure qualité, si nous achetons en Colombie. En attendant sa fête, il y a une sorte de boucanet en bouillie qui mérite faite pour porter une aide alimentaire rapide pour déplacer nous, surtout à rapatrier nous. Président Petro offre nous un programme formation pour permettre aux jeunes nous capables de joindre un métier rapide. Ça bon. Tant que technicien agricole, mécanicien, électronicien, vétérinaire et latrier. Conseil capable de travailler pour aider tête. Il y a une institution la CAILI qui est le Sénat, qui est le service national apprentissage, qui prend le travail avec l'école professionnelle Panouyo pour former plus de jeunes. Nous t'ai parlé tout. Apprendre dans ce mais qu'on a fait de travail. Regardez, j'y vais d'amis écrasés. Pas aucun travail qui crée, bandit tout bagaille. Bah, le problème, non, faut gêner à prendre le métier. Mais qu'on y a, c'est une bonne, c'est vraiment. Pendant que tu as des projets qui sont venus, il faut être d'accord que les jeunes qui ont des âmes dans la main, nous pourrons déposer les âmes
et puis ça décide rentre tête yo ba l'état rentre tête yo ba l'état n'a réinsérer yo mais kounya après fin travail je dis qu'on qui quantité milliers des jeunes qui quitter pays ça qui avec métier dans mayo gade moun que me connaît qui a fait gon moun que me connaît qui à la fois sciences humaines et faculté des droits oui le monsieur quitter pays à la école m'a connait histoire Brésil Brésil il à la fois faculté des droits et sciences humaines il va pas gain espoir l'obligé à arranger pour l'agricole non le CBI imaginez qu'on a là mais problème faut génie apprendre métier même et pour ça mieux d'ailleurs ça m'a fait la désir nous apprendre et une de l'autre professeur que nous apprendre tout mais qu'on a faut nous garantie et pas venir apprendre métier là après ça jeune pas faire rien mais pendant là apprendre mais gon travail qu'a fait tout les jeunes a fini étudier puis recevoir vous d'avoir du bagage désir. Président Leslie Voltaire, bon, c'est comme ça, Aurélie, et parler de support ou bien aide que vous demandez avec la Colombie. Mm-hmm. Et Colombie, conscient des situations de sécurité qu'il y a là, il n'y a pas innocent là-dedans. Mais il a tout profité de demander manger parce que le pays a une situation et il faut que vous formez des jeunes garçons pour une technique agricole. Je veux dire, ce que vous avez pour technicien agricole, ça vient de travailler. Non! Département de l'Antibonite, qui est ouais. Le grenier de la République. Mm-hmm. Majorité espacée, on va travailler. Qui compte jeunes techniciens, ça, on va mettre en œuvre, à l'œuvre, ça que on va apprendre là. Ou parler de, et on va former les vétérinaires. Vétérinaires, c'est le monde qui va aller pour venir par participation, dans soigner ensemble des bêtes que nous gagnons qui sont dans l'espace, les animaux que nous gagnons. Mais majorité des animaux vont disparaître. Dans la question insécurité, avec qui des amis, on ne pas acheter des bêtes. Yon yon pote boure n'importe qui, n'importe champ que moun yon gen, bœuf, cochon, cabrit, cheval que moun yon gen, yon prè tout net, et ça yon fait avant, c'est manger que yon mange yon. M'don de président a parlé de yon ensemble espèce qui envoie des disparitions. Mm-hmm. Jodi yon, insécurité qui gen là, la partie avec un paquet dans espèce que n'de gen yon. Ou kab saisi, ou rive non moment, ou besoin cabrit créole pour manger ou pas kajwen. Ou ap rive non moment, ou besoin un bœuf créole pour manger ou pas kajwen. Parce que insécurité qui gen yon, pral avec yon tout. Tout bandit dit ou yon c'est ougan. Eh ben pendant ces ougan yo là on voit les bœufs paysans qui ça fait avec eux yo fait service avec eux yo manger yo ça veut dire ensemble des races bêtes ça pas venu encore et pas gain dispositif captant moi même penser Leslie Voltaire était le plus sérieux sur question insécurité a. Si président Benin lui fait aveu lui d'accord que Colombie c'est un pays qui a alimenté l'insécurité qui est dans le pays. C'est qui gens va faire pour stopper le problème ça? Qui gens va faire pour faire mes vannes? Dis-moi que les forces pour travailler ensemble, c'est diplomatie qui a fait. Bon, tu as déjà dit, c'est mon émotion. Bon, mais la marine haïtienne va même qu'on bombe tout même. Mm-hmm. Combien de policiers dans la marine haïtienne? Combien d'équipements pour capable aider comme ça? Combien d'équipements vous avez? Et la marine haïtienne qui a débattu là, et on qui plus ou moins, oui. On dit plus ou moins désir. Blaise, est-ce qu'on songe à ce même président ça qui, c'était dans l'année 2023, si bon, on ne pas faire un défaut, mais fin année 2023, qui t'a dit que l'armée colombienne perdit ensemble matériel important, mm-hmm. des armes de guerre et une quantité de munitions. Bon, il y a même dit même grenade qui a été perdu. Il a tout profité dit. Sensiblement c'est Haïti bagaille ça au cap rentrer qui ça qui dit sur question ça même n'a pas besoin de faire jouer manger terre n'a pas besoin de passer monde dans bêtise nous il fait dans moment la blessure personne décision doit concret de palpable c'est pas discours qui lié c'est pas promesse qui doit faire blessure personne en avance avec Leslie Voltaire nous t'ai parlé tout avec secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres il insistait pour dire nous que Nations Unies pas rentrer dans problème interne pays d'Haïti. Nous expliquer progrès nous fait dans démarche pour arriver dans élection. Nous parler de conseil électoral là qui mettait campé parce que 7 février 2026 Jean Sadina à Côte d'Avril là yon président, yon parlement ak maire yo qui sorti dans élection, yo tout yo doit prêter serment. Moi partager ak li préoccupation nous sous gens violence et insécurité à valer terrain dans le pays. Moi, j'ai profité tout pour partager avec le problème mission appui sécurité qui peut arriver dans la quantité de monde qui te prévoit. Mais rappelez-le, l'être que vous pour la semaine passée, côté Haïti, demandé pour MMAS, la mission kenyenne,
ta changé en force gardien la paix. Comme ça, n'a capable de joindre plus financement, en couverture aérienne avec en couverture maritime et travail plus bien avec force sécurité nous yo. Moi t'ai parlé avec tout de souffrance haïtien que République dominicaine a voyé tourner dans mauvaise condition. Secrétaire général là t'ai montré le solidaire avec souffrance peuple. Nous t'ai rencontré tout avec président pays Suriname non, monsieur Sean Santoki. Nous t'ai fait un bon petit parler sous condition sœur ak frère nous dans pays ça parce que nous gagne en pile dans compatriotes nous qui vivent dans Suriname. Faut nous t'ai assuré nous que yo joine bon gens protection ak bon gens garantie la loi. Nous t'ai posé problème urgence humanitaire nous gagne dans pays ya et li promettre coup de main pays li ak tout l'autre pays CARICOM yo pour aider nous résoudre problème ça. Nous pourrons réunir tout à l'heure jeudi à Akyo la 22e session CARICOM. En pile l'autre délégation t'ai approché nous dans coup pays Équateur, pays Bolivie, pays Venezuela, Guinée-Bissau. Tout le monde sait te voulait comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Je te voulais comprendre comment on avancer avec la transition. Nous avons profité de toute explication et puis nous avons mis devant eux le problème 5 millions de monde nous qui pas qu'à manger comme ça doit. Tout le monde sait pour mettre concours. Tout ça me dit là, ces amis qui voulaient aider nous. C'est très bien. Mais moi pas besoin de suspendre répéter ça. Haïti c'est pour nous lier. Avenir pays là c'est dans main nous lier. C'est nous qui pour rebâtir. Moun dehors ka ban nous coup de main. Nan aider mettre sécurité, nan combattre grand goût, mais développement pays là c'est nous qui pour faire. Pour ça, m'a demandé nous toutes, quitte c'est dans l'état, quitte c'est dans société civile là, quitte c'est dans secteur business là, quitte c'est dans diaspora pour suspendre goût mais avec propre tête nous. L'île le temps pour nous avancer ensemble. Haïti c'est seul côté qui pour haïtien. N'avancer mais faut nous bien avancer. Parce que pour qu'il y a conseil présidentiel transition pas qu'au satisfait. Nous là depuis 6 mois, insécurité toujours à valer terrain, monde toujours à déplacer quitter caillou, pays a toujours pas capable petit li travail à manger. Nous toujours pas qu'à bien recevoir compatriotes pays étrangers à voyer tourner comme ça doit. Faut que nous changer pressé, ça doit changer. Koulia même nous va réunir pour nous décider comment ça doit changer. Merci. Bon, comme je dis, il faut changer, ça doit changer. Bon, Niclem, c'est toujours monté qui a passé maintenant le gouvernement. Et pas satisfait de travail de 6 mois qu'a pété, hein? Bon, Niclem. Parce que tout le monde veut ça. Nous ne pouvons pas gagner sérieux. Vous comprenez? Tout le monde ne peut pas gagner sérieux. Profiter, poser problème, parler avec Gutiérrez, la gaille. Et même honnêtement, dis non que monsieur. Monsieur Dame Capiti, gouvernement connu, nous tous sous bluff, ok? Nous tous sous bluff dans le pays, hein? Et puis pas ici en haut en bas, non? Et bien, c'est jeudi, en la bagarre, li... tout menti par fond. Yeah, tout menti par fond. Mais commencez par parler, y a kebo quand même, parce que tout menti par fond, désir. Nous allons venir avec Camille Edouard Junior, par contre, on va jouer ton bagage sur la parole, tout ça. Et Camille Edouard Junior, monsieur le secrétaire général. On avance avec Camille. Et secrétaire général la primature, qui est un des secrétaires général PM, non? Et pas oublier, c'est ancien ministre de la Justice, avec sécurité publique sous privé, qui donc, et équipe qui Philippe, pas besoin de pardonner, monsieur, parce que je suis soumis et tout, et autorisation pour arrêter qui Philippe, et pour être extradé de la Tebay. Monsieur Sonek, équipe qui Philippe, je suis d'accord avec elle, mais je dis, hein, monsieur, lycée secrétaire général la primature, entendez Camille Edouard Junior qui t'a parlé dans le micro-confrère, non? Wendell Théodore, sous Télémétropole, dans l'émission Le Point, et il t'a parlé sur divers dossiers. Diagnostic qui est établi en matière de sécurité, qui vient faire que tout le monde bien conscient qu'on y a, et y compris la communauté internationale, y est conscient qu'on y a que la problématique sécuritaire, ce n'est pas seulement une problématique policière. Non seulement li lié à l'ensemble de forces de police, mais li implique automatiquement l'intervention des forces armées d'Haïti. Et qui est capable à la fois d'intervenir au niveau tactique, au niveau stratégique, li implique tout
une révision nette et claire de la communauté internationale qui, par rapport à crise là, qui était pensée justement la police capable de bailler une réponse à ça. Par contre, sous bien saisi et réalité ça. Et puis, il faut dire aussi que le problème de la sécurité, il marchait avec corollaire et tout. Tout côté où est que on montait de l'insécurité, on montait de criminalité, c'est parce que justement, en dessous de tout ça, il y a l'impunité. Parce que justement, si on a intervenu au niveau des réponses en matière de sécurité, mais il faut gagner un durcissement des règles pour permettre que les gens qui a profiter des retombées de la criminalité, de la grande criminalité, pour eux-mêmes tout, il faut qu'ils poursuivent, il faut qu'ils inquiétent. Donc, et je dis, il y a, n'a subi irresponsabilité qui était gagnée avant, et nous devons à la fois répondre sous gravité exceptionnelle que nous avons là, mais nous devons aussi poser les jalons pour que dans 5, dans 10 mois, pour nous pas une situation grave que nous territoires. Et puis Wendell, est-ce qu'on est conscient, je dis, ya, que la police et l'armée ont intervenu sur différents fronts avec un effectif qui est nettement inférieur par rapport à ça qu'il était déjà. Qu'est-ce qui a été fait, Wendell? Pendant que il y a un policier qui t'a voyagé, m'a critiqué le programme que pays qui ont mis nous, en tout cas qui dit qu'ils ont mis nous, qui mettait sous pied, ou parler de ça matin dans l'émission. Hein? Mais en même temps, un État responsable, tu dois connaître que ça, pour affecter à la fois la police, l'armée, le secteur éducatif et tout ça. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait pour permettre que gagne un recrutement massif pour que la police là, pendant que les policiers peut-être qu'a voyagé pour des raisons que nous ca comprendre. Mais en même temps, nous devons connaître que il va l'affecter et directement la capacité d'intervention à la fois des unités administratives de la police administrative, mais surtout des unités spécialisées qui formées et entraînées pour mener des opérations en zone urbaine et périurbaine. Moi, je prends ça seulement comme exemple pour dire que ça, que lorsque gagne et en pile préoccupation, mais dans un moment ça, nous gagnons la police côté que policiers yo, avec militaires, y a travaillé 7 jours sur 7 sur différents fronts pour permettre que l'autorité de l'État l'ait encore maintenue avant que l'ait renforcée dans ça que tout le monde dans la population a espéré attendre. Donc, c'est de ça qu'on parle. Ok, maintenant là, nous devons comprendre que obstacle yo en pile. Obstacle yo en pile. Est-ce que nous sommes capables de conclure que le problème aurait été sous-évalué? Problème d'insécurité dans le pays, est-ce que nous sommes sous-évalués? Évidemment, pas nous-mêmes seulement, en tant que dirigeants, même nous avons aidé du tout, que ce soit l'international. Et nous mettons tout ça ensemble, est-ce que nous sentons que la question fondamentalement était sous-évaluée? Je ne vais pas utiliser le terme sous-évalué, parce que de toute façon, lorsque c'est autorité, ou bien une perception que ou qu'on ne sera pas fait, ou qu'on est nous maîtriser. Nous sommes capables de dire que nous avons un changement de paradigme dans la question sécuritaire. Et pendant longtemps, au niveau de la communauté internationale, la question de la sécurité était plutôt well dans l'angle de la police. Et une des plus gros succès, Premier ministre Gary Conille, c'est arrivé démontrer qu'on est en présence du grand banditisme qui impliquait que la police lui doit au moins gagner une capacité de réponse proportionnelle avec des criminels notoires que eux-mêmes sont capables sur des marchés parallèles, malheureusement, joignent des armes de guerre. C'est de ça qu'on parle maintenant. Qui fait que, aujourd'hui, la police et l'armée lui gagnent capacité pour le faire acquisition de matériel qui permettent que le capable de réponse sinon proportionnelle ou bien supérieure nettement par rapport avec attaque cap fait. Maintenant, je voulais retourner sur le fait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, lorsque on parle de réponse, il faut que l'autorité
ou du moins c'est à la police, l'armée, faut que y ait moyen pour ça. Et l'instrument pour que l'État bâille réponse sur tout domaine, y compris dans le domaine de la sécurité publique, c'est le budget. Et yon a succès, moi-même, dans le pays, pendant un petit temps déjà, dans la vie publique, ou même Wendell, un journaliste chevronné, courrier, est-ce qu'on a songé dans combien de fois que le gouvernement fait exercice en moins de deux mois doté tête li de deux budgets? Il y a un budget rectificatif pour faire exercice là, et nous commencer nouvel exercice 2024-2025 là, avec un nouveau budget qui baille à la fois et la police et l'armée moyens et capacités pour faire acquisition de biens et pour capable répondre. Et en même temps, faut nous rappeler que il y a un recrutement qui est en cours, tant au niveau de la police et de l'armée. Là, m'a parlé de ça qu'a fait Jodia pour permettre que force publique nous le capable renforcer. Mais nous pas même parler de hausse de salaire qui c'est un problème extrêmement grave. Nous pas même parler de primes et tout ça yo, pour y arriver fait, il faut naturellement que nous disposer de budget pour ça. Sans oublier que l'âme te vle vin sous point ça, que à quoi 3 avril là établi cadre d'intervention des autorités de la gouvernance. Mais il était très clairement établi que le Premier ministre là, et sous orientation Conseil présidentiel de transition, il définit des feuilles de route que le transmet automatiquement à gouvernement, et chaque ministre recevra feuille de route, cadre programmatique, yo, et en même temps, il y a un temps établi, diagnostic par eux, même sous ça que nous venons joindre. Et il y a des ministres, Wendell, qui n'ont pas de bureau. C'est dans l'autre espace que Chita avec Kadio, avec employé pour le travail, pour le résultat. C'est de ça qu'on parle. On est dans une situation de crise. Malgré qu'il y ait une fusion de bureaux, de ministères qui fait. Bon, en fait, ce n'est pas fusion. Il y a deux administrations, mais au lieu que nous ayons deux ministres, il a été établi entre le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre qu'il y a lieu de réduire le nombre de ministres. Ok. Maître Camille-Edouard Junior, et me permettre que je retourne sur la question obstacle. Est-ce que le gouvernement, d'après vous-même, nous senti que nous gagnons toute l'attitude pour prendre des décisions? Est-ce que quelque part, nous pas buté sur quelques intransigences de la part de la communauté internationale, on va dire comme ça, s'il vous plaît. Est-ce que nous sentons que nous à l'aise pour nous décider dans une lutte contre l'insécurité, dans combattre la criminalité, hein? Est-ce que nous commandons des côtés nous voulons? Est-ce que nous jouons des armes que nous voulons? Est-ce que pas des restrictions qui ont imposé nous? L'aime de parler d'obstacles, hein? C'est peut-être dans le sens que nous voulons aller, parce que est-ce que nous avons tout ça nous voulons? Est-ce que nous avons tout ça nous besoin? Est-ce que nous libres pour nous porter réponse à problème ça de façon particulière? Bon, Wendell mal répond nous très clairement. Est-ce que nous avons tout ça nous voulons? Non. Non. Nous n'avons pas tout ça nous voulons, parce que nous n'avons pas qu'un pays qui a tout ça nous voulons non plus. Mais est-ce que nous devons rester sur le fait que nous ne pouvons pas tout ça nous voulons pour ne pas agir? Ce serait irresponsable. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, je voulais rappeler que faut communauté internationale a été bien comprendre que dynamique sécurité a impliqué que la police et l'armée gagnent meilleures conditions d'intervention. Là, m'a parlé des armes, munitions et autres. Ce n'est pas de perception ou bien compréhension ça qui a été nécessairement gagné. Mais pour gagner sur le Wendell, il faut avoir une capacité pour acheter. Et c'est ça qui fait que le Premier ministre Garry Conille, dans le cadre d'évaluation et dans le cadre d'intervention qu'il fait, a impulsé l'initiative de la création d'un fonds. Ce fonds de soutien à la sécurité nationale qui pour bail l'État haïtien moyens financiers qui a dédié totalement dans la question de sécurité. Mais est-ce que nous avons acheté ça nous voulait? Mais n'a pas acheté ça nous voulait en fonction de moyens disposés.
Côté nous voulons tout. Je ne crois pas que pour l'instant, il y a une objection que nous sommes capables d'acheter quoi que ce soit, sinon que nous disposons de moyens pour qui gagnent pour nous acheter. Bon, si vous-même avez une autre information, qui a toujours partagé la même et avec la population qui a gardé nous, mais je pense que l'État, et qui disposait du monopole de la contrainte légitime, il gagnait naturellement capacité pour faire des acquisitions. Mais maintenant, je voulais dire tout que. Est-ce qu'on est conscient que il y a des moyens? Est-ce que il y a des moyens que nous devons faire acquisition de eux, qui ne doivent pas approprier? Par exemple, on est capable de garder que il y a des chars qui étaient commandés et quelques jours après, il y a une panne. Ça veut dire que ce n'est pas tout ça que nous gagnons comme outil qui est capable d'adapter par rapport avec la réalité que nous gagnons. C'est ça qui fait que. Et ces réponses à bail en fonction de nouvelles réalités qui gagnent par rapport à la question ça. Gagnent et la configuration au niveau territorial, nous devons répondre au niveau terrestre, nous devons répondre au niveau maritime, au niveau des côtes, parce que bandits ont malheureusement utilisé la mer pour faire des attaques. Mm-hmm. Et nous devons répondre tout avec support aérien qui pour permettre que la police et l'armée intervenir de manière efficace. Mm-hmm. Mais tout ça, Wendell, non seulement besoin des moyens classiques que nous tous nous connaissons, mais a besoin des moyens spécialisés qui pour permettre que vous capable d'intervenir en zone hostile et de jour comme de nuit. Mm-hmm. Et ça a demandé que y ait des spécifications qui faites. Et c'est dans ce sens ça que le Premier ministre est allé jusqu'aux Émirats Arabes Unis parce que eux-mêmes ils sont pionniers au niveau technologique dans niveau ça sous m'invite à regarder site internet et côté que compagnie qui dans zone ça côté au produit et gon salon que vous faites pour l'armée, côté vous venez avec de nouveaux matériels que vous produisez, qui sont capables de bailler capacité pour que la police et l'armée soient capables d'intervenir efficacement. Mm. Est-ce qu'on est Wendell que bandits ont fait des trous dans des espaces, dans les murs, ont mis des sacs, et faut qu'on capable des drones qui sont capables d'identifier avec caméra thermique qui côté que vous êtes. Tout ça, c'est des moyens technologiques spécialisés et li gon coût. C'est ça qui fait tout que rapidement, dans le cadre de réponse que le Premier ministre avec le gouvernement baille, il a été identifié la nécessité que bon fonds qui créé qui pour bailler réponse à sur le plan financier à la problématique. Ça. Merci Désir, merci tout le monde. Nous avons seulement dit non, nous avons cassé rendez-vous dans la mi-temps journée, puisque nous allons faire débat ouvert sous parole. Secrétaire général de la primature, qui c'est M. Camille Edouard Junior, ancien ministre de la Justice sous privé, pouvoir transition. Merci Désir, nous avons croisé mon frère. Merci Blaise, merci tout le monde. Nous avons été fidèles à compte. Nous revenons en paix.